Direction la Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam est le tout nouveau président du PDC RDA. Tidiane Thiam profite de l'occasion et se prononce sur la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023. Robert Begray Mambé annonce une très mauvaise nouvelle au président Alassane Ouattara. Que se casse-t-il derrière la Coupe d'Afrique des Nations? Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! L'ancien patron du Crédit Suisse a été élu président du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, encore appelé le Parti Septuagénaire, à l'issue d'un giga congrès extraordinaire de la principale formation politique de l'opposition ivoirienne, tenu hier vendredi à Yamoussoukro. L'ancien banquier l'a emporté avec un taux de pourcentage de plus de 96% des voix face à Jean-Marc Yassi, le maire de la commune de Kokoti, une grande commune d'habitants. Tidiane Thiam succédait ainsi à fait Monsieur Henri Konambeti, décédé le 1er août 2023 à Bitan, et se positionne ainsi comme un candidat sérieux pour la présidentielle de 2025 à venir. Tidiane Thiam fait trembler le RHDP, d'autant plus que l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023 et les yeux rivés des Ivoiriens à côté des écrans télévisés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les ambitions du nouveau président du PDC RDA. Le nouveau président du PDC RDA, Tidiane Thiam, compte contribuer à faire régner une atmosphère sociopolitique apaisée de la scène sociopolitique en Côte d'Ivoire. Pour lui, dans cet esprit, il est important qu'on fasse preuve de modération. Il est très clair pour nous que beaucoup de choses ont été faites par le Rassemblement des votistes pour la démocratie et la paix en Abrésie RACP. Le pouvoir, celui de ici, du présent Alassane Dramane Ouattara, qui est un économiste de renom et qui a fait beaucoup de choses utiles, et tous les Ivoiriens peuvent le voir sur Internet. Toutefois, ça n'empêche pas de faire des propositions utiles pour améliorer ce qui doit être amélioré, car une œuvre humaine est imperfectible entre le RACP, le PDC et RDA. Ajouté, M. Tidiane Thiam, qui compte aller à l'écoute des Ivoiriens afin de leur faire des propositions avant la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en janvier 2024, qui seront de d'autres natures à satisfaire leurs préoccupations pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le développement du beau pays, il estime que le capital humain est primordial. Il n'y a rien de plus important que l'éducation. Il soutient qu'il faut mettre l'accent sur le système éducatif et assure ainsi que tous les Ivoiriens et une grande égalité d'opportunités. L'ex-patron de Crédit Suisse Tidiane Thiam a affirmé que l'appartenance à une partie du beau pays ne doit pas déterminer le destin d'une grande population, mais leur destin devrait être déterminé par leur capacité propre entre les partis politiques. De même que dans le grand domaine de la santé, le domaine de la santé et le monde rural, afin que la vie soit supportable, il faut traiter les disparités qui existent aujourd'hui, a-t-il insisté aux populations, tout en évoquant la question des emplois et des entreprises. Tidiane Thiam a déclaré avoir un profil qui lui permet d'apporter beaucoup au monde des entreprises en Côte d'Ivoire. Et pour que la Côte d'Ivoire soit encore plus développée, Tidiane Thiam poursuivra ses propos pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire ici en Côte d'Ivoire, dans l'accès aux finances, afin de permettre le développement de nouvelles entreprises qui vont être créatrices d'emplois et ressortir les revenus en Côte d'Ivoire, ressortir ainsi le grand problème qui n'est autre que le chômage des jeunes.